su que Christiane Charette venait pour la première fois au Festival de Toronto, on s'est dit on voulait lui donner un traitement de star. Christiane Charette, hey! La star! Bonjour, Herbie Moreau! Je ne sais pas si vous avez croisé Diane Kruger tout à l'heure. Non, je ne l'ai pas vue. Elle non. était là juste derrière okay. vous. Diane Kruger qui va jouer dans le prochain film de... C'est pas ce concours, là. Je viens juste d'arriver, moi. De Denis Arcan? Ah oui, elle va jouer dedans. Est-ce que tu sais avec qui tu vas jouer? Il s'appelle Marc Labrèche. Je l'ai rencontré, oui. Je l'ai rencontré parce que je suis passée à Montréal pour rencontrer Denis. Et donc, on a déjeuné ensemble et je suis tombée sous le charme. Vraiment, oui. Génial, hein? Ah, vraiment. C'est extraordinaire comment tu peux être un bon éclaireur pour nous par rapport beaucoup. À ce qui se passe ici au festival. C'est pas fini, là. Non. Parce que, bien sûr, le festival, c'est les films, c'est aussi les cocktails et les soirées. Tomorrow, we're going to do a one-on-one. We're going to sit down and we're going to talk. So I see you tomorrow. More relaxed. Ben, ils l'ont dit, hein, que demain tu venais à notre émission. C'est vrai, je suis invitée. Oui, oui, t'es invitée. Absolument, on a besoin de toi. Et avec nous, l'autre, Herbie Moreau. Mon premier tapis rouge, ça a été le tapis rouge de Russell Crowe. How are you, man? Okay, this is here. Lui aussi est nouveau papa et il quitte sa famille pour venir sur un tapis rouge. Et ça a été ma question. How do you combine family life and working life? Well, it's even trickier for me probably than you. I'm not sure really your situation, but you know, when I go to work, I not only leave the house, I leave the country. You know. J'ai vu Penelope Mepoit qui fait aussi Hi, I'm Penelope from Montreal. Hi, oh, feel like old Hollywood. Sometimes we look at your life and we think it's a movie. If it was, what kind of movie would your life be? Oh, I don't know. I mean, I think all lives are a bunch of different kinds of movies, but, you know, movies and life are two different things. Mr. Hoffman, hi. Did you read the reviews this morning? No, I haven't seen anything. 4 stars out of 4 stars. Really? Yeah. Wow. It's funny. I was in bed with my wife. She gave me the same amount of stars. Mais pourquoi c'est eux qui l'ont, le gros festival, donc? Et pourquoi ils l'ont, le festival? Parce qu'ils ont les stars. Mmh. Ça commence là, puis ça finit là. Et cette année, je vous laisse le dire, c'est Brad Pitt. Après la pause, l'ouragan Brad Pitt frappe Toronto. C'est pas compliqué, j'en perds mes barrettes. Et on rencontre les filles d'Occupation Double.